Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Il n'y a pas d'antéchrist. Beaucoup parlent d'antéchrist. Et certains voient des antéchrists partout. Par exemple, le pape sera un antéchrist, Macron sera un antéchrist, Éric Zemmour sera un antéchrist. Enfin, c'est des gens qui voient l'antéchrist partout. C'est-à-dire que dans leur tête, on est à la fin du monde. Et donc à la fin du monde, c'est la catastrophe. Donc Satan est partout, et il suffit d'attendre simplement le retour de Jésus. Donc le problème de ça, c'est qu'à force d'attendre le retour de Jésus, les personnes ne prient pas. Et en réalité, il faut prier. Alors, il faut bien comprendre que beaucoup voient l'antéchrist partout, alors que nous ne sommes pas du tout au temps de l'antéchrist. Il y en a plein qui le voient en tant que pape, en tant que président, alors que pas du tout. Nous sommes au temps de Marie. C'est-à-dire, nous sommes à un temps où c'est le temps de Marie. C'est-à-dire, c'est le temps de la victoire de Marie. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout d'antéchrist. Il y a Marie qui va simplement écraser la tête du serpent. Voilà. Et évidemment, il y a Marie qui va écraser la tête du serpent, mais il y a aussi nous qui allons aussi, en nous protégeant la peau de Marie, écraser aussi la tête du serpent. Mais beaucoup parlent d'antéchrist. En réalité, nous ne sommes pas du tout à un moment de l'antéchrist. Alors, ça ne veut pas dire que par le passé, dans le futur, il n'y aura pas des antéchrists, il n'y aura pas certainement des antéchrists, parce que la Bible nous en parle, et qu'effectivement, il y aura des antéchrists. Mais pour l'instant, il n'y aura pas d'antéchrist. Il n'y a pas d'antéchrist qui arrive. Pour l'instant, on est simplement à la victoire du cœur de Marie. Alors, ça prend du retard, nous le savons tous, et nous avons tous hâte que la victoire de Marie arrive. Marie à Medjugorje est apparue pour terminer ce qu'elle a commencé. Ce qu'elle a commencé, c'est un combat contre Satan, qui date déjà depuis plus de 100 ou 200 ans. Donc elle a commencé un combat et elle le termine à Medjugorje. Et elle a dit qu'elle le terminerait parce que son cœur allait être victorieux. Donc quoi qu'il arrive, Marie aura sa victoire. Alors, Marie est venue à Medjugorje pour pousser les gens à prier. Parce que Marie, du haut du ciel, a vu que les gens priaient mal. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu la prière avec le cœur. Alors, pour trouver la prière avec le cœur, il suffit de parler à Marie comme si on parlait à sa meilleure amie. On peut très bien parler aussi à Jésus, à son meilleur ami, et on peut parler aussi à Dieu comme si on parlait à son meilleur ami aussi. Donc Marie est apparue à Medjugorje pour nous apprendre, pour une formation, pour nous éduquer, pour nous apprendre à être de vrais catholiques. Alors c'est très très long, ça a pris du temps, parce que les apparitions datent quand même de 1981, et que c'est toujours pas fini actuellement. Alors il y en a beaucoup qui disent, bah oui, mais tant que ce n'est pas reconnu par l'Église, on ne peut pas valider Medjugorje. Alors dire, bah oui, mais le problème, c'est que Fatima, si ça n'avait pas été validé par l'Église, si les gens ils avaient attendu la validation de l'Église, il n'y aurait pas eu de Fatima, parce que Fatima a été validée que 20 ans après. Donc effectivement, Medjugorje, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut prier. Donc Marie, elle est venue nous apprendre à prier. Alors pour ça, elle nous a rappelé des moments importants, comme le jeûne, les sacrifices, la confession, la lecture de la Bible, etc. Et donc du coup, il faut absolument arriver à faire ce que Marie demande. Alors moi, au début de ma conversion, j'étais très très très, très motivé. J'ai trouvé Medjugorje et j'étais très très motivé. Je voulais même aller en Bosnie alors que c'était la guerre. Il y avait des mines un peu partout et moi je voulais y aller simplement pour aller voir la Sainte Vierge Marie. Alors évidemment, ma famille m'a un petit peu calmé en disant non, il ne faut pas y aller. Mais sinon, moi j'avais de la motivation pour y aller. Alors le problème, c'est qu'après, avec le temps, la motivation est redescendue. Et à chaque fois, il y a eu des empêchements, et finalement, j'ai pas pu retourner à Medjugorje. Enfin, j'ai pas pu aller à Medjugorje. Alors, il faut savoir que le ciel utilise beaucoup les textes de la Bible, ou les textes de Medjugorje, pour répondre aux gens. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils essayent d'entendre Jésus, Marie, Dieu dans son cœur, et quelquefois, ils utilisent le souvenir d'un texte de Marie, de Medjugorje, pour répondre à des questions. Et aussi, ils peuvent utiliser une partie de la Bible pour nous mettre en mémoire quelque chose
et ainsi répondre à nos questions. Donc le ciel utilise beaucoup les anciens messages de Medjugorje pour répondre aux questions des gens. Alors, moi souvent les gens se disent « Ah ben voilà, Rémi, lui, il est très motivé, il fait des vidéos depuis 5 ans, il est devenu apôtre, il sait prier, il sait jeûner, faire des chapelets, tout va bien pour lui, tout est formidable, tout est génial, et c'est pas difficile pour lui. » Ben non. Je voulais aussi vous rappeler que pour moi aussi, aller à la messe est difficile. Il y a des jours où je ne vais pas à la messe, parce que je me dis, il est trop, je me dis, c'est pas une bonne idée d'y aller, ou je dirai un peu plus tard. Donc voilà, moi aussi, il y a des moments où, des moments de faiblesse où j'ai pas envie d'aller à la messe. Ça m'arrive énormément. Et je trouve des excuses pour dire que j'y vais trop et que finalement, j'en fais déjà beaucoup et j'en fais déjà beaucoup trop. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à aller à la messe. Souvent, je suis un peu obligé de me forcer parce que ben, la messe est très importante. C'est Marie de Medjugorje qui nous en parle de la messe. Et évidemment, la messe, c'est la prière la plus grande que l'on peut faire pour Jésus. C'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui nous a montré la messe et comment on devait la faire. Alors il faut savoir qu'à la messe, il est important de participer à la messe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à la messe et qui trouvent que les chants sont un peu tristounés. Évidemment, on n'est pas à la messe pour être dans un spectacle. On est à la messe pour participer au chant. Évidemment, si on vient comme si on revenait à un concert, ben, c'est pas génial. Le but de la messe, c'est pas de nous en mettre plein les yeux. Le prêtre, il fait tout son cinéma, et puis les gens regardent le spectacle et puis s'amusent beaucoup. Si vous voulez que la messe soit une belle messe, eh ben, il faut participer. C'est-à-dire il faut chanter joyeusement et fort. Il ne faut pas écouter les autres chanter, puis soit ne pas chanter. Il faut participer. Quand le prêtre demande de prier, il faut prier. Quand le prêtre demande de faire telle ou telle chose, il faut faire telle et telle chose. Il faut répéter les prières du prêtre. Il faut écouter les messages. Parce que dans la messe, il y a des messages, la lecture de la Bible. Et donc il faut les écouter pour essayer de comprendre ce que le ciel veut transmettre comme information pour nous, cette semaine. Alors il faut bien comprendre que la messe, c'est pas là pour nous occuper et voir un joli spectacle. Non. Le rôle de la messe, c'est de prier et de rentrer en communion avec Jésus. Et c'est en rentrant en communion avec Jésus qu'on parle à Jésus. Et du coup, Jésus peut nous transmettre des tonnes et des tonnes de grâces. D'ailleurs, on n'imagine même pas le nombre de grâces que l'on peut recevoir pendant la messe. Parce que pendant la messe, c'est Jésus lui-même qui se donne. Alors on est tous un peu motivés au départ, quand on fait une vraie conversion, et puis après avec le temps, la soif de Dieu, la soif du ciel disparaît un petit peu, la motivation dit pas de disparaît un petit peu. Et donc du coup, c'est important de participer à la messe. C'est-à-dire, il faut arrêter de critiquer les messes en disant ça va pas, en réalité c'est nous ce qu'on met dans la messe qui fait que la messe est sympa ou n'est pas sympa. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui croient que, en fin de compte, c'est aux prêtres, c'est à la chorale d'animer toute la messe, et puis que eux, ils sont simplement là pour regarder un spectacle. Voilà. Alors, le rôle de la messe, le moment le plus important de la messe, c'est le moment de la communion. Il faut très vite aller chercher la communion et très vite retourner à sa place, manger très très vite l'hostie pour avoir très vite Jésus dans le corps et ainsi lui parler. Et puis espérer qu'il nous transmet des grâces, et puis lui expliquer toutes nos misères et tous nos problèmes. Les larmes de la Madone. Une statue de la Madone pleure à Carmignano pendant quelques heures. Et les fidèles crient au miracle. Ça se passe en 2020. J'ai créé un livre avec tous les messages de Medjugorje. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vends aussi des t-shirts. Les voici. J'ai aussi un site que vous pouvez aller voir, c'est www.croixacier.fr. Si vous voulez me contacter, voici mon mail,
rémy.croassier@orange.fr. Et enfin, je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Voici un Notre Père. Comme Marie nous l'a demandé. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fermez les yeux et répétez après moi. Prie Marie pour aider tous les abonnés à trouver la joie dans la prière. Et prie aussi pour nous aider à voir ce que tu fais pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.